Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de traiter un sujet santé psycho, donc sous l'intitulé « J'ai décidé d'aller mieux, pourquoi ?» et bien pour bannir tous les risques de dépendance pharmaceutique. Alors j'ai un sujet qui m'est cher, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, et parfois je suis très sensible à ce que je qualifierais de détresse sociale. Donc il y a quelques années, je vais rappeler un contexte, il y a quelques années, on était à la course à l'industrialisation. Donc voilà, l'automatisation, optimisation des ressources matérielles dans les entreprises, autant pour moi, produire plus vite. Une fois qu'on est arrivé à saturation du potentiel des automates, il est arrivé à mon sens un autre point, c'est l'optimisation des ressources humaines. Alors l'optimisation des ressources humaines, à mon sens, a conduit à de nombreux mal-êtres. De nombreux mal-êtres, pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle très fréquemment de ce qu'est le burn-out, une sensation de fatigue, une perte de confiance en soi, l'impression de ne pas y arriver. Alors tout ça, c'est engendré par des facteurs externes. Aujourd'hui, pour subvenir à nos besoins, notamment matériels, financiers, on s'engage parfois sur des prêts de 15, 20, voire 25 ans. Le risque, c'est comment être sûr de rembourser mon prêt et comment être sûr d'être bien pour pouvoir le rembourser ce prêt. Comment être au top tous les jours ? Malheureusement, je vais vous apprendre quelque chose, ce n'est pas possible. Nous sommes des individus qu'on appelle phasiques. On a des hauts, on a des bas. Et parfois, on a des très hauts, on a des très bas. Alors, quand on a des très bas, en France, on a un réflexe. C'est-à-dire que quand on va voir notre médecin, on a un petit bobo, ou psychologiquement, on a peut-être juste envie de parler, notre médecin va systématiquement, ou non systématiquement, je ne vais pas non plus faire complètement l'amalgame, ils sont peut-être pas tous comme ça, mais ce que j'ai rencontré dans ma vie, c'est que fréquemment, à chaque fois que je suis partie chez un médecin et que j'avais des difficultés, on m'a systématiquement proposé des psychotropes. Alors les psychotropes, les effets, je les connais bien. Pourquoi d'une ? Parce que comme je vous dis, j'ai un contexte social qui fait que je vois tout ce que les psychotropes sont capables de faire dans une vie. Et le nombre de familles qui sont détruites. Les répercussions de la prise de psychotropes ne sont pas que sur l'individu unique, mais parfois les répercussions sont sur l'ensemble de la famille, et notamment les enfants. Il est parfois très difficile pour les enfants d'assumer de voir ses parents ou un des parents devenir dépendant aux psychotropes. Les psychotropes sont en fait ne sont pas une vraie solution au problème. Ça masque le problème, ça transfère le problème. Puisque les psychotropes vont mettre la personne dans une sensation de pseudo-bien-être. En définitive, les personnes qui prennent des psychotropes ne sont pas en sommeil profond quand elles dorment. Et donc, de ce fait, elles ne récupèrent pas correctement. Donc, c'est un vice. Le mal-être s'installe et il devient encore de plus en plus grand. Alors, pourquoi cette vidéo ? Parce que j'ai tout simplement envie de vous donner les clés. Les clés de quoi ? Les clés de « je mets de côté ces psychotropes » et je prends conscience d'une chose. Donc, dans mon expérience professionnelle, j'ai plusieurs années d'expérience dans le pharmaceutique à l'international, puisque j'ai travaillé pour les top 20 pharmaceutiques dans le monde. De plus, je capitalise en fait des connaissances théoriques, puisque j'ai une formation à Bac plus 5 en biochimie génie biologique. Donc je suis également à même de savoir les effets que peuvent avoir l'usage de ces psychotropes sur l'organisme. Et simplement, ces substances qui sont complètement étrangères à l'organisme vous nuisent. Et j'aimerais que vous en preniez conscience. Je ne vous dis pas d'arrêter complètement l'usage de ces psychotropes, mais je vous demande de prendre du recul sur leur intérêt et de prendre du recul sur les opportunités qu'ils vont vous apporter, mais les risques également à court, moyen et long terme que ça engendre. C'est en ce sens que j'ai envie de vous faire réagir.
devenez vos propres consommateurs, même en termes de médicaments. Comment marche le lobbying pharmaceutique? À mon sens, le lobbying pharmaceutique est mis en place depuis de nombreuses années. Pourquoi? Pour les sous, la finance, voilà, une belle dépendance. Un traitement va contrecarrer, on va dire, un effet, mais il va apporter 10 autres effets secondaires. Et c'est le jeu exponentiel, puisque votre boîte pharmaceutique va soigner un effet secondaire, puis elle développera d'autres médicaments qui vont soigner les 10 effets secondaires apportés par ce médicament. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une vraie spirale. Donc pour sortir de cet engrenage, responsabilisez-vous. Prenez conscience de ce que vous ingérez. Les médicaments sont des substances à proprement parler toxiques. Et je ne comprends pas qu'il y ait autant de masse pharmaceutique sur le marché sans que ça ne choque aucunement les États et que ce soit validé. Je ne comprends pas. À mon sens, c'est nocif. Toutes ces substances toxiques sont reconnues par un système sanguin qui est isolé dans votre foie. Votre foie, c'est une éponge à vie. Vous n'avez qu'une éponge dans votre vie. Ce foie va filtrer toutes les substances toxiques que vous allez ingérer durant une vie. Donc, entretenez votre éponge. Donc, les clés et ou les facteurs clés de succès que je vous dirais pour sortir de cette dépendance, c'est la responsabilisation, la force d'esprit, le mental. Je crois dur comme fer en le lien entre le corps et l'esprit. En France, on a tendance, beaucoup trop souvent à mon sens, à dissocier ce lien entre le corps et l'esprit. On soigne le corps ou on soigne l'esprit. Dans les pays d'Europe de l'Est, je pense que ces deux points sont liés. Et je trouve que la maturité est un peu différente de celle de la France, puisque par exemple les médecines douces sont valorisées, les médecines douces sont également reconnues, les centres de formation sont mieux reconnus qu'en France. Donc les médecines douces sont à mon sens une alternative, mais il n'y a pas que ça. Votre première médecine douce, elle est dans votre tête, c'est votre force, votre conviction, votre état d'esprit. Prenez-vous en main. Si la dépression vous guette, que l'envie de rester dans votre canapé vous guette, malmenez-vous. C'est à ce moment-là qu'il faut vous faire bouger. Prenez la décision d'acheter une paire de baskets. Ça, c'est la meilleure des solutions. Bougez-vous progressivement. Et travaillez votre résistance mentale. Ne vous laissez plus aller. Et ne croyez pas que vous êtes accablé dans ce monde. C'est pas vrai. Vous ne l'êtes pas. À tout problème, il y a des solutions. Il convient de vous poser et de réfléchir à vos solutions et de vous donner la peine de sortir de l'état de faiblesse dans lequel vous êtes. D'un autre côté, j'aurais envie de vous dire, n'ayez pas peur de tomber très bas. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes des individus cycliques et il nous arrive parfois de tomber très bas. Mais si je devais vous encourager, c'est que les chutes les plus grandes donnent à mon sens les rebonds les plus hauts. Nous sommes génétiquement complètement différents. Il y a des gens qui vont être très très réguliers, très stables psychologiquement, alors que la plupart des individus, eux, sont cycliques. Alors l'amplitude de vos cycles vous distingue, on n'est pas pareil. Voilà, et on n'apporte pas de l'intérêt aux mêmes choses. Donc pour sortir de tout ça, je vous disais, on chausse les baskets, on se motive, on se bouge, on s'aère et on essaie de pousser progressivement nos limites. Pour vous donner un exemple concret, ça pourrait être d'aller courir. Si vous n'arrivez pas à aller courir, allez marcher. Marcher une demi-heure, puis progressivement commencer à alterner. Marche, course. Si vous n'êtes pas en mesure de courir, marchez. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchit trop, accordez-vous des moments de détente, de dilettante. Prenez un Walkman, mettez le son et essayez de trouver quelque chose qui vous entraîne, qui vous motive. Essayez de trouver les choses qui vous détendent. Sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui sont consacrés à la confiance en soi, qui sont consacrés à l'empathie. Écoutez,
bourrez-vous le crâne de ces vidéos jusqu'à vous en convaincre vous-même et acceptez tout simplement parfois d'être peut-être un peu en bas. Et oui, c'est normal, on n'est pas parfait. Et c'est justement parce que nous ne sommes pas parfaits et parce que nous sommes des individus avec beaucoup d'imperfections que nous avons cette première qualité qui est la possibilité de nous remettre en question. La remise en question est à mon sens la plus grosse richesse. La vie est faite pour apprendre, apprendre continuellement. En premier lieu, commencez à apprendre de vous. Prenez le temps de vous redécouvrir et de redécouvrir ce qui vous fait plaisir, ce qui au contraire vous épanouit. Votre vision par exemple de la vie à 15 ans n'est pas la même que celle à 20 ans, ni à 25, ni à 30, ni à 40, 50, 60, 70. Ce que je veux vous dire, c'est que parfois il faut prendre le temps de refaire le point sur sa vie. Je ne vous dis pas de mettre en place une fracture qui soit nette et immédiate, mais d'aller vers la progression, la transition. Accordez-vous le changement, adaptez votre vie à votre épanouissement personnel, cherchez à voir ce qu'il vous manque, du temps, de l'argent, de l'amour, allez savoir, cherchez à vous comprendre, voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de vous épanouir et ne perdez jamais, 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 jamais confiance en vous, tout simplement. Tout est possible, tout est réalisable. Si vous en êtes convaincu, vous y arriverez. L'important n'est pas de convaincre les autres. Votre première force, c'est vous. Bon courage à vous tous et diminuez ces psychotropes. À mon sens, ils ne vous apporteront rien. Vous devez regagner en dynamisme. Chaussez vos chaussures, souriez à la vie et prenez le temps de discuter avec les gens. Épanouissez-vous. Les gens sont également là pour vous tendre une main, mais ne focalisez pas sur l'opinion des autres. Vous êtes votre seul maître à bord. À bientôt !